Salut à tous, du coup on continue pour la troisième vidéo où on se retrouve avec F1 2023 de EA. Donc du coup je vous fais une petite synopsis si on a le temps, vu que ça se lance, dépasser le point de rupture dans EA FC, nananiana. Bon mais voilà, on vous demande donc un nouveau chapitre du mode histoire électrisant, point de rupture, offre des émotions palpitantes et des rivalités féroces. Piloter roue dans roue sur les nouveaux circuits de Las Vegas et du Qatar pour gagner des récompenses et des améliorations dans F1 World. Ok. De nouveaux drapeaux rouges ajoutent une touche d'authenticité stratégique et la fonctionnalité distance de course de 35% propose plus d'action et d'émotions fortes. Prenez le volant des monoplaces 2023, mise à jour et retrouvez les effectifs officiels de F1 avec vos 20 pilotes et 10 équipes préférées. Découvrez du contenu pour les saisons 2023 ainsi que les voitures et les pilotes officiels de F2. La plus belle porte d'entrée vers la F1, créez l'écurie de vos rêves et courez pour gagner dans le mode carrière, mon écurie. Affrontez vos adversaires sur écran partagé ou dans le mode multijoueur, multiplateforme étendue et profitez des réseaux sociaux avec la nouvelle ligue RaceNet. Ok, bon, classique, un jeu EA, un jeu de sport, sport aussi, oui, un jeu de sport, sport automobile s'appelle, c'est long, sérieux? Sérieux, sérieux, on y est encore là? Blablabla. On peut pas aller plus vite. On va y aller. Tac, tac, tac. Je trouve ça horrible. Connexion à EA. Alright. Ça change des connexions FIFA. Ça me va. Oui, je souhaite jouer avec des personnes étant sur d'autres plateformes. Non, je vais utiliser. Non, ok. Sous-titres, ouais. Bon. Ok. Bon, il doit y avoir des droits d'auteur avec la musique, c'est sympatoche. Sympatoche, on va vite les enlever. On s'en moque de ça. Désactiver. Comme ça, la musique, on n'entend plus. Ok. Là, on est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Jouer en solo, en multijoueur et participer à des épreuves contre la montre pour développer votre monoplace. Non, carrière, on n'aura pas le temps. Rejoignez le paddock et profitez d'un scénario suivant. Les pilotes d'une nouvelle écurie sur le grill. Et c'est quoi ça? C'est un mode carrière? Je peux pas faire juste un circuit comme ça classique sans être gêné? Jouer en solo, en multijoueur et participer aux épreuves contre la montre pour développer votre monoplace et devenir la star de F1 numéro 1. Multijoueur? Ben non, je peux pas. Course de ligue, boutique, salle de projection. Et les temps forts des épreuves récentes. Bon, voyons voir le point de rupture. Bon, normal. Ouais. Précédemment, dans Point de rupture. Aiden, comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course dans la catégorie reine? Je me sens comme un gosse. Je me retourne J'adore la et je suis voix parce que entouré du de coup, on a tous mes héros. l'impression que c'est Question à vraiment propos de peu entendu. Casper Ackerman. Est-ce que vous vous entendez bien? Une suite du mot de carrière. Hein. C'était pas ma faute! Et c'est la faute de qui? Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te babysitter. On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance. J'ai reçu un message de Christian Arnaud ce matin. On te surveille. Tu sais ce que c'est son problème, non? Il pense que t'es trop vieux. Elle veut du respect. Tu fais preuve de respect, ça marche comme ça. Et toi, si tu me respectais un peu. Commence déjà par le mériter. Je me casse. De quoi? Je prends ma retraite.
Pourquoi ça n'a pas marché entre vous deux? Il est mieux payé que moi. Quoi? Il voulait pas de moi dans l'équipe. De quoi? Toi, tu penses que je suis plus compétitif? Donc rien de tout ça n'est vrai? Il y a toujours eu des rumeurs dans les paddocks. Mais depuis qu'il est en Formule 1, les choses n'ont fait qu'empirer. Je veux la quatrième place constructeur. Je veux qu'on batte Butler. Et je veux que tu aies ce baquet. Alfa Romeo a vraiment les arguments pour inquiéter Alfa Tauri sur ce circuit. Il arrive maintenant au virage numéro 8. Butler freine tard, il plonge à l'intérieur. Oh, ils se sont touchés! Butler est dans le mur et c'est la fin de la course pour lui. L'Hollandais reprend la course, Nicolas Martin. Ah, je suis soulagé de voir Ackermann continuer la course, Julien. Et pour Kasper, on laisse Eden passer. En tout cas, voilà, on redécouvre ce qui s'est passé avant, quoi. On l'a fait. On l'a fait. Tu as vu le crash ou pas? Butler, ça va? Ouais, juste blessé dans son ego. Ok. Grand Prix de Miami, chapitre 1, 2022, une nouvelle ère pour la Formule 1. La refonte du règlement de technique a donné lieu à la première mise à jour majeure de la discipline depuis quelques années. Il n'y a pas que les nouvelles monoplaces qui font tourner la tête dans les paddocks. Quel effet ça? J'ai jamais conduit ça, moi. Bah, la première fois que tu vois ta monoplace, ta marque et ton nom dans une course officielle. À côté de Ferrari, McLaren, Mercedes. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est comme un rêve qui se réalise. Si seulement. Quand avez-vous commencé à comprendre ce qu'allait vivre Connor Sport? En 2022, en tout début de saison, on savait que nos pilotes allaient s'affronter. C'était un risque calculé. Mais la voiture... Ma voiture... C'est super bien fait quand même. Nous voici au beau milieu du Grand Prix de Miami, une course incroyable dans laquelle tout peut encore arriver. Absolument fantastique. Quel pilotage de haut niveau, notamment de la part d'Aiden Jackson. Je pense n'avoir jamais vu une Connor Sport rouler avec autant de rythme. Les monoplaces de Connor Sport ont encore beaucoup à prouver, mais Aiden Jackson... Est-ce que je peux conduire pour voir comment on fait? Il est faux, je suis nul. Ah, merci. Oh, je t'ai vu là. Oh! C'est bien ce que tu fais, Aiden. Essaie de réduire l'écart avec la voiture de devant. Je vais essayer. Oh, mais c'est une galère, je t'ai vu. Je vais galérer, les gars! J'ai peur! Attaque! On avance sur la voiture de derrière. 3,5 secondes. Non. Oh, le virage. Ah, faut bien freiner là. Ah, ça tourne pas mal. Heureusement qu'elle aide, hein. Ouais! Jolie manœuvre, bien joué! Ok, je commence à saisir plus de moyens. Je commence à saisir. Oh, je doublais. Je crois que je reviendrai en arrière. Oh, j'adore. Oh non! Sérieux? Oh là, les gars.
En tout cas, ouais, dès que t'es touché, la voiture elle part, c'est fini. Allez, gars. Ok. Quitte à solliciter les freins. Petite accélération. Petite accélération, allez, on envoie tout. L'écart avec le pilote de devant est de 1,7 secondes. Ouais, c'est possible. Hamilton, je t'ai passé devant. L'écart avec notre coéquipier est de 10,6 secondes. Ah ouais, quand même. Alors là. Je vais doubler. Allez, Perez, bonne journée. Oh, oh, quelle vitesse de pointe. Une petite accélération. Alors là, faut envoyer, je suis cinquième pour l'instant. On va essayer de le doubler lui. Oh, j'ai doublé là. Vers 14 tours là, vraiment. Abusé le jeu. Ouais, j'ai pas le droit de faire de sortie de piste. Je suis mal sorti. Il ne restera plus que 4 après. Reste à peine les 2. Avec la voiture qui nous précède est de 1,8
le jeu en freinage. Casse-toi! Ah, je suis troisième déjà. Drapeau vert. Allez. Et du mieux la force. Il nous reste 5 tours de carburant. Non, mais c'est bon alors. Jusqu'au bout alors. Je pensais que ça allait être plus long encore. Plus long tu meurs. Je perds de la puissance. Qu'est-ce qui se passe? Bien reçu Aiden, on va vérifier ça. Ok, j'ai bien peur que tu doives abandonner, Aiden. Je répète, abandonne. Oh, c'est une blague! Désolé, Aiden, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Ça devient ridicule! C'est tellement cruel pour Aiden Jackson, qui doit abandonner à quelques tours seulement de la fin de ce Grand Prix de Miami. À chaque course, c'est la même chose. C'est un problème constant chez Konnersport. Ça doit être difficile à vivre pour les pilotes. Abandon confirmé pour Aiden Jackson. Le pilote de Konnersport ne verra donc pas le drapeau Adami aujourd'hui. En revanche, son coéquipier devrait y arriver. L'abandon de Jackson permet donc à Devon Butler d'occuper une place en course qui pourrait rapporter des points à Konnersport. Aiden hors course ? Ouais, on a un problème moteur. Heureusement que je suis là. Ok, Devon, n'attaque quand même pas trop, on ne veut pas risquer de perdre une deuxième voiture. Eh, c'est dans la poche, mec. Ça va, Aiden ? Ouais, on est Devon. Tout va bien, j'ai l'impression qu'il va pouvoir finir dans les points. Tant mieux pour lui. Bravo. Problème moteur. Ça fait chier. Alors, frustration, un problème moteur oblige Aiden Jackson Konnersport à abandonner au Grand Prix de Miami à quelques tours de la fin de la course. Il y a toujours un truc qui cloche. T'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aiden, je suis à 100% d'accord avec toi. On fait tout notre possible. Je sais que la voiture n'est pas parfaite, mais... Andréo, à chaque course, c'est pareil. De quoi j'ai l'air ? Je perds des points faciles. Toc, toc. Vous êtes en train de nous jouer une sacrée scène, là. J'ai raté quoi ? Arrête, Devon. Aiden et moi, on parlait des problèmes... Il est énervé, notre mec. Encore ? Je pensais que tout était réglé. Moi, j'ai pas eu de problème aujourd'hui. C'était cool. Vous savez ce qu'on dit ? Les mauvais bricoleurs blâment toujours leurs outils. mec, tu peux jeter un œil à mes réglages quand tu veux. Je te l'ai dit, non ? Ça t'aidera. Je te l'ai déjà dit. Les réglages ne sont pas en cause. La voiture... Jackson, c'était ça le problème de la saison 2022. Tout le monde le sait. À la fin de la saison 2021, tout le monde pensait qu'Aiden allait signer pour l'un des trois grands. Mais... on n'a pas trouvé d'accord et on a tous les deux signé chez Konnersport. Et vous pensez qu'Aiden l'a mal pris? C'est pas un secret. Non, toute la saison 2022, Jackson a été un cauchemar. Ok. Alors, entre deux épreuves du mode histoire, épreuve, pardon, vous retournerez à l'accueil. Consultez les les dernières actus, vos réseaux sociaux, vos mails, et recevez des appels téléphoniques d'autres personnages tout au long de Point de Rupture 2. Les personnages que vous contrôlez peuvent changer à chaque fois pour vous offrir un nouveau point de vue de la vie chez Konnersport. Sans ses réputations, performance, réputation, réaction à vos trucs. Ok. Bon, franchement, c'était sympa à conduire. Faudrait voir si ça, c'est le délire aussi de chacun. Je trouve le jeu assez bien fait quand même. Assez intéressant. Après, bon, forcément, c'est une mode histoire, donc du coup, on n'a pas trop l'opportunité de pouvoir jouer correctement. En tout cas, je trouve ça très intéressant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était les 3 jeux du mois de mars, du coup, 2024. On se dit à ciao ciao en avril, du coup, pour les prochains jeux. Ciao ciao.
lui parle comme Messi. Conseil d'Enessie, cercle, Damir rétrécit, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi. C'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité. Qu'une manière de lui dire merci.